Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son sein. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il oublie au cœur de ce ciel. Le Seigneur est ton résolution dans la colère. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce qui nous réunit toute cette semaine pour louer, bénir le Seigneur. Et je retiens deux mots du témoignage que nous avons entendu ce matin, deux mots parmi bien d'autres, simplicité et joie. Aujourd'hui nous fêtons, bien sûr, Saint Julien Aymar, l'apôtre de l'Eucharistie, mais plus particulièrement dans la Confédération, Saint Eusèbe de Verceil, qui est contemporain du Concile de Nicée, évêque de Verceil près de 1000 ans, et il a défendu la foi de Nicée pour laquelle il a été exilé par l'empereur Constance II, exilé au moins 3 fois. La deuxième fois, il a subi un martyre quasiment, mais il s'en est sorti. Et c'est grâce à l'empereur Julien l'Apostolat qui a libéré les évêques pour les renvoyer dans leur diocèse. Et saint Eusèbe de Verceil a été l'un des premiers à proposer à son clergé de vivre en communauté, avant saint Augustin. Saint Augustin s'inspira de saint Eusèbe, nous dit-on, et il a travaillé à la sanctification de son peuple. Malheureusement, après sa mort, ce diocèse a connu une grave division, et saint Ambroise a dû intervenir pour travailler à refaire l'unité de ce diocèse. Eh bien, prions saint Eusèbe pour que nous demeurions dans la foi de l'Église, que nous demeurions dans l'esprit de l'Église, l'esprit d'unité. Et entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant redevables de l'amour, de la miséricorde du Seigneur et en nous reconnaissant pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir imiter le courage de l'évêque Saint-Eusèbe, pour affirmer la divinité du Christ. Nous garderons ainsi la foi qu'il nous a enseignée, et nous obtiendrons de participer à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. « Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. » Maintenant notre gorge est desséchée, nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre, elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir, puis on la broyait sous la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clan, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse et il dit au Seigneur, « Pourquoi traiter si mal ton serviteur ? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans tes bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères. Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple? Quand ils viennent pleurer près de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur.
Dieu, notre Dieu, viens combler notre faim. Dieu, notre Dieu, viens combler notre faim. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Dieu, notre Dieu, viens combler notre faim. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierai ses ennemis, contre ses oppresseurs je tournerai ma main. Dieu, notre Dieu, viens combler notre Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. Dieu, notre Dieu, viens combler notre Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert, il l'a rassasié du pain venu du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent, et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent, « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit, « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants.
acclamons la parole de Dieu. Dans nos lectures, il est question du désert. Or, en famille spirituelle, nous sommes dans cette journée de désert. Le désert, c'est le lieu de l'épreuve. Ce peut être, comme dans la première lecture, le lieu de la confrontation, de la révolte. Et dans l'Évangile, ce peut être le lieu de la bénédiction. Tout dépend comment se situe notre cœur, quel accueil nous faisons au Seigneur, comment nous situons-nous. Et cette journée doit nous recentrer sur le Seigneur. Oui, la parole de Dieu de ce jour nous oriente sur l'amour de Dieu. Il me semble que la pointe se situe dans la gratuité de l'amour de Dieu pour chacun. Certes, nous aimons Dieu par intermittence, fugitivement, tandis que l'amour de Dieu, le Père, pour Jésus est éternel et permanent. C'est de cet amour que Jésus nous aime intensément jusqu'au don de sa vie, son Eucharistie. Alors, comme dit saint Augustin, aimons à aimer l'amour. Or, le paradoxe nous montre que si en ce monde tout se négocie, tout se vend, tout s'achète, car au regard de la société mercantile, la gratuité comme le bénévolat ne sont pas contrôlables. Et de plus, n'ayant pas valeur comptable, sont regardés comme suspects. Il n'en est pas ainsi dans la relation avec Dieu. Chez Dieu, tout est pour rien, tout est offert, tout est don, c'est sans prix. Nous le présentons sous des images de nourriture et de boisson. Ce qui est offert gratuitement à ces pauvres, c'est la sagesse, la science de Dieu, l'amour de Dieu. Et ce que Dieu attend des hommes n'est autre que la fidélité et la croissance, la réciprocité dans l'accueil, dans la charité. Plus on est pauvre de soi, et plus on est apte à recevoir cette aumône divine. Car celui qui se fait don, qui se fait aumône de lui-même, c'est Jésus. Jésus, si l'on s'en souvient, à la Samaritaine qui affectait de ne rien comprendre à la demande et à l'offre de Jésus, Jésus offrait l'eau vive de la grâce et de l'esprit. Il nous faut entendre ces appels réitérés de Dieu dans le « Venez », appuyé par cet haut appel « Écoutez-moi et vous vivrez ». Jésus, une nouvelle fois, va le prouver dans l'Évangile. Il va payer de sa personne. Au cours de la journée, embarquement, débarquement et guérison, voilà l'effet marquant. Tandis que Jésus et ses disciples s'embarquent pour la solitude recherchée sur l'autre rive du lac, en apprenant la mort, le martyre de Jean-Baptiste, ils passent sur l'autre rive. Les foules qui ont observé la manœuvre se mettent en route elles aussi. Contournant le lac, en longeant les rives, elles atteignent l'endroit vers lequel se dirigeait le maître. Le contraste est doublement marqué entre le voyage sur l'eau de Jésus et ses disciples et la marche forcée sur terre des foules. Entre la solitude recherchée et la multitude assemblée, Jésus répond à leur volonté de persévérance, plein de miséricorde, il guérit les malades qu'on lui présente. Et le soir venu, le jour baisse, ce qui veut dire que la fin est au rendez-vous. Tout le monde comprend, et les disciples de Jésus, bien entendu.
La réaction va de soi. Renvoie cette foule qu'il se débrouille. Là encore, la volonté de Jésus est déconcertante, provocante. Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Or maintenant, ce sont les disciples qui sont dans l'embarras, comme Moïse avec son peuple devant Dieu. Être spectateur du Maître qui fait des miracles de guérison, c'est très confortable, mais se mouiller pour répondre à une attente, voilà qui bouscule et met mal à l'aise, sans fuite possible. L'évangéliste parle de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Que faire? Maigre consolation, ils n'ont que 5 pains et 2 poissons. Et l'évangéliste saint Marc ajoute au charme en parlant d'un lieu verdoyant. En écoutant le récit, on pourrait s'imaginer la situation comique ou tragique, en fait elle est dramatique, comme celle de la fin des émigrés cherchant le bonheur qui erre ça et là, comme ce peuple dans le désert qui crie famine ou qui en a marre de la manne et qui veut de la viande. Or c'est précisément dans ces situations humainement insolubles où la foi est mise à l'épreuve que le Seigneur déploie sa miséricorde. Jésus préside et opère. Ses gestes sont précis, simples, posés, car ils se fixeront dans la mémoire des disciples pour en faire mémoire. Jésus prend dans ses pains, dans ses mains, les 5 pains et les 2 poissons. Il lève les yeux au ciel vers son Père et prononce la bénédiction rituelle. Il rompt les pains et les donne aux disciples qui sont chargés de la distribution de la nourriture. Ce geste mémoire, nous le revivons en ce moment. La munificence de Jésus est telle que tout sera saisi et qu'il y a des restes de quoi remplir les corbeilles de voyage des 12 disciples. Ce pain qui ne s'épuisera jamais, comment ne pas comprendre l'appel du Seigneur par les prophètes? Vous qui avez soif, voici de l'eau, venez consommer sans argent et sans rien payer, car la nourriture est le pain que je vous donne pour la vie éternelle. Au-delà du pain matériel pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu, c'est le sens de nos bénédicités avant le repas et de l'action de grâce après le repas, ce que nous faisons tous et normalement, il y a le pain venu du ciel, l'Eucharistie, destiné à entretenir notre vie spirituelle. C'est Jésus qui nous l'offre. Ça ne paye pas de mine, ça ne fait pas de bruit. Il n'y a pas besoin d'orchestre. Dieu agit par ses ministres de manière préférentielle dans la grande assemblée du peuple de Dieu rassemblée devant l'autel. Jésus guérit les malades, nourrit les foules, en vertu de la domination qu'il exerce sur les forces de la nature. N'est-il pas associé à son Père dans toute l'œuvre de la création? Il demande à son Église de poursuivre dans le monde sa fonction de miséricorde temporelle par le souci qu'elle doit prendre des malades, des pauvres, des affamés. Au fond, saint Paul, dans une de ses épîtres, le résume bien lorsqu'il dit « Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » Cela nous rassure dans nos épreuves par la certitude que nous devons avoir de la fidélité de Dieu et du Christ dans l'amour dont ils nous poursuivent. Il est supposé, bien entendu, que nous répondrons à ces aventures divines par une fidélité, un amour que nous ne voudrions pas perdre. L'amour est le premier et le dernier mot de Dieu, ainsi que le chante la Vierge Marie. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Il s'est penché sur la petitesse de sa servante. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés. Sa miséricorde s'étend vraiment d'âge en âge. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons cette Eusèbe. En nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le louons, le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Sainte Eusèbe, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répondant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain.
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thierry et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Thank you.
Prions le Seigneur. Déjà rénové par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur, puissions-nous, en prenant exemple sur saint Eusèbe, professer ce qu'il a cru et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.